D'efficacité, puisqu'on mène 3-0 assez rapidement dans la partie, et puis bon, et à la mi-temps, le match était la victoire était quasiment assurée, donc satisfait de la bonne réaction par rapport aux deux dernières défaites des joueurs qui avaient raté quand même pas mal de situations devant le but. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, on a été relativement efficace sur la première occasion de but, on la met au fond, et puis après, on a enchaîné sur des coups de pied arrêtés, mais ça reste quand même des situations dangereuses. Donc voilà, un petit trou d'air dans le match, et puis après, la seconde période a été une gestion totale, sans être réellement en danger. Ils ont une sortie, ils ont un contre qu'ils jouent très mal, puisqu'ils peuvent revenir à 3-1. Voilà, on se remet en selle. Maintenant, c'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais bon, il y a des motifs de satisfaction toujours dans un match, mais pas entièrement satisfait. Aujourd'hui, on avait des conditions qui étaient bonnes, avec un terrain synthétique, quand on sait déjà que quand il pleut, ben, ça fuse, mais on préfère ça qu'un terrain sec. Le ballon il rebond moins et puis ça permet d'avoir un jeu plus rapide. Sachant que nous on a un jeu de passes au sol et de passes courtes, rapides. Collectivement on va dire qu'on a fait un match correct. On a déjà pas encaissé de but, c'est une bonne chose. On venait d'enchaîner deux défaites, c'est bon pour le capital confiance, surtout avec le match qui nous attend la semaine prochaine contre Andrézieux. Donc voilà, en espérant qu'on reste sur cette bonne dynamique de ce match d'aujourd'hui contre Toulon. En première mi-temps, c'était difficile, on perdait les ballons au milieu de terrain. Après, on a marqué, donc ça allait mieux. Même si on était en marqué, on n'était quand même pas top. Ensuite, on a fait le break. Et à 3-0, ils ont commencé à lâcher en première mi-temps, donc ça devenait plus simple pour nous. On a fait tourner et puis on a conservé le score jusqu'à la fin. Ouais, Franck, il fait un super truc, il tape 2-3 joueurs. Et il me la remet, je fais un mauvais contrôle. Après, je fixe et je frappe, croisé. Le premier, c'est de la tête sur un coup franc. Le Ric en gain. Je coupe au premier poteau et puis je marque. Deuxième but sur corner, cafouillage. Et Renard, il est là, il traîne.